Kylian Mbappé, un international français, a finalement été disqualifié parce qu'il s'est identifié comme français plutôt que camerounais. Il a cependant une origine africaine. Selon le joueur, la FECAFOOT l'a laissé au moment où il était difficile. De plus, les autorités de la fêtière du Cameroun ont exigé une somme colossale avant son intégration au sein des Lions Indomptables du Cameroun. « Je ne suis pas camerounais. Je suis français. Au début de ma carrière, quand j'étais encore dans l'ombre, mon père a fait appel à la FECAFOOT pour me faire jouer à l'équipe nationale du Cameroun », dit-il. « Une grosse somme d'argent nous a été demandée pour être admise dans l'équipe. Mon père étant dégoûté s'est donc retourné vers l'équipe de France, cette France qui m'a », le joueur affirme que la FECAFOOT a quitté lorsque cela est devenu trop difficile puisque les autorités de la fédération camerounaise lui ont exigé une énorme somme d'argent avant de pouvoir rejoindre les lions imparables du pays. Je ne m'identifie pas comme camerounais. Je parle français. Mon père a appelé la FECAFOOT au début de ma carrière alors que j'étais encore dans l'ombre pour me faire jouer en équipe nationale camerounaise, raconte-t-il. Une grosse somme d'argent nous a été demandée pour rejoindre l'équipe. Je suis francophone. Mon père a demandé que je sois autorisé à jouer pour l'équipe nationale du Cameroun au début de ma carrière, alors que j'étais encore dans l'ombre, selon lui. Une importante somme d'argent nous a été demandée pour rejoindre l'équipe. Tiré-bas après sa mort, mon père est retourné vers l'équipe de France, la même France qui m'avait aidé.